Voilà, donc Jérôme, ta question sur le travail. Travail, travail, travail. J'ai l'artisanat qui ressort beaucoup pour toi, Jérôme. Tu as pris un métier dans l'artisanat. J'ai l'industrie qui ressort pas mal aussi. Ah, oui. OK. Et ça marche plus. Bizarre, je suis dans les métiers de l'artisanat. Bon, après, DJ, oui, je comprends pourquoi j'avais pas mal de métal autour. Et ça, c'est toi qui as arrêté parce que tu voulais plus faire ou parce que tu trouves plus d'entreprises qui t'embauchent par rapport à la musique, les animations? Alors, la musique, c'est un métier de l'artisanat aussi, hein. C'est une forme d'artisanat aussi. C'est pas manuel, c'est plus intellectuel, la musique. Mais ça fait partie des métiers de l'artisanat. Problème à l'oreille gauche. OK. Ouais. Et ça t'empêche de créer de la musique, du coup. Où tu te sens plus l'âme de créer à cause de ce nouvel handicap qui arrive. Voilà, parce que le fait que tu aies du problème à une oreille, ça t'empêche pas de continuer à travailler dans la musique, hein. J'en connais beaucoup des ingénieurs du son qui ont des problèmes auditifs et qui sont toujours dans leur métier, hein. Donc après, c'est à toi de voir, hein, mais bon, en ce qui me concerne, je te vois pas spécialement arrêter dans ce domaine, hein. Tu restes dans l'événementiel, en tout cas. T'auras toujours un lien par rapport à ce métier, hein. Ah, tu vas aller dans la restauration rapide? Ça bouge beaucoup dans ce genre de restauration, donc tu devrais trouver assez rapidement dans ce domaine-là. Mais bon, je te vois pas quitter non plus l'événementiel, hein. Tu auras toujours un pied dans l'événementiel, hein. Mais McDo, Quick, tout ça, oui, tu trouveras facilement du travail, hein, que ce soit plein temps, mi-temps, j'y cherche tout le temps dans ces restaurants-là. Donc, tu devrais trouver assez rapidement une embauche en restauration rapide. Hein. Oui, pose ta question, Nadège. Alors, Nadège, une rencontre sérieuse. Ah, ça, c'est très difficile, les rencontres sérieuses. Il faut vraiment être prêt. Pour avoir une rencontre sérieuse. Tu vas me dire, je suis prête. Mais on se croit toujours prêt et on ne l'est pas vraiment. On me parle plutôt de l'hiver, hein, pour cette rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un où ça va durer un certain temps, mais ce ne sera pas pour la vie non plus, hein. Mais tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire un bout de chemin, oui, en début d'année, dans l'hiver, fin janvier, début février. Il y a quelqu'un qui devrait arriver. Donc encore un petit peu de patience, ça va venir.
De rien, Nadège.